Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Grande et ma joie de vous reprendre encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo motivation, ménage et cuisine. Alors, c'était un jour des neiges. Chez nous, il neige pas beaucoup et il ne fait pas trop froid. Donc, du coup, quand il y a beaucoup de neige, tout est fermé. Ce jour-là, les écoles étaient fermées. Tout était vraiment fermé. Mais mon mari n'a pas travaillé. On était tous à la maison. Et donc, on a passé une belle matinée en famille. Et là, c'est l'après-midi. Je me suis mise à nettoyer tout ce qu'on avait utilisé comme assiette avant midi. Et puis, préparer le dîner. Ces derniers temps, je galère à nettoyer les assiettes à la main parce que ma machine des assiettes a un problème. Il y a mon fils qui a cassé des trucs à l'intérieur et puis il ouvrait aussi la porte là et puis il se mettait sur ça, lui et la petite Josie. Du coup, ça ne se ferme plus correctement. Donc, ces derniers temps, je nettoie les assiettes à la main et ça me fatigue, ça me prend du temps en tout cas. Je suis en train de réfléchir sur la solution entre réparer ou carrément remplacer par une nouvelle machine. Donc, je vais voir l'option la plus moins chère. C'est celle que je prendrai. Donc, la vie avec les enfants, c'est pas facile. Il y a des pannes tout le temps. Ils ont cassé à gauche, à droite. Mais voilà, ça fait partie de la vie et ça va passer. La petite a commencé à déranger, j'ai décidé de la mettre carrément au dos pour continuer avec mon travail. Au menu du jour, c'était le pondu, le poulet et le poisson salé qu'on appelle bitoyo.
J'ai fait un pondu très simple, comme on dit chez nous, il y a maï maï. Donc j'ai utilisé l'arachide en poudre et j'ai aussi utilisé le tuna, donc comme poisson, et c'était juste très très bon, très bon, très simple. Voilà, un pondu simple à manger avec du riz, du foufou, le plantains, comme vous voulez, hein. J'aime beaucoup parfois le style de pondu très très simple. J'avais aussi le porc que j'ai assaisonné et j'ai gardé au frigo. Comme ça me facilite la tâche pour le reste de la semaine. Poulet, j'ai pas ajouté de l'eau. Je vais cuire le poulet avec son eau en fait. Normalement, c'était prévu que je fasse une petite sauce pour mettre dans le poulet, mais faute de temps, on a mangé ça comme ça, comme il y avait aussi le pondu, hein, donc vous pouvez manger juste avec le poulet frit comme ça. Et l'autre quantité qui était restée, j'ai utilisé ça le jour suivant et j'avais fait la sauce. Même chose pour les poissons salés, bitoyo.
J'ai pas eu le temps de faire la sauce, donc j'ai juste frit comme ça. Vous avez vu là, on a directement mis ça dans l'assiette. Et d'ailleurs, c'est mon mari qui est venu le faire rapidement parce qu'il avait tellement faim. Il m'a dit, toi, fais juste les foufous, moi, je vais frire les poissons salés rapidement et puis on va manger. Il supporte pas. Il supporte pas. Quand il a faim, il faut juste qu'il mange. Il n'y a pas une autre solution. Alors, c'est comme ça que ça s'est un peu passé. Hello la famille, là je vous reprends le jour suivant. En tout cas, hier, j'ai pas pu finir de filmer parce qu'à un moment donné, tout le monde avait faim et la caméra commençait à énerver tout le monde. Donc j'étais obligée d'arrêter de filmer et faire les choses rapidement. Comme ça, tout le monde va manger et la soirée va bien se passer. Alors, juste après, tellement j'ai manqué de filmer d'autres séquences, je me suis découragée. J'ai arrêté de filmer. Juste après, j'ai fait le ménage là où les enfants avaient sali. J'ai nettoyé la cuisine après avoir mangé. Voilà. Et je me suis dit que je vais continuer aujourd'hui. Alors, il est pratiquement 15h. 30 minutes, j'ai l'habitude de récupérer les enfants à 16h juste ou plus tard 16h30. Donc je vais rapidement faire les ménages qu'il y a à faire et puis je vais aller récupérer les enfants et je vous prends avec moi. Là, parmi les choses qu'il y a à faire, je dois essuyer les fenêtres et les portes. Comme les enfants passaient toute la journée hier à la maison, donc il y a un peu des traces partout. La nuit, j'ai fait juste les stricts nécessaires. Le tapis est sale, mais je fais pas ça immédiatement parce que j'ai pas le temps. Donc peut-être la nuit, s'il y a le temps, je peux faire vite fait le tapis du côté salon, côté cuisine. Comme j'avais quand même fait bon nombre de choses la nuit, je dois faire le sol. Donc pour la serpillière, c'est un peu partout. Les murs, c'est grave sale. Mais je ne sais pas si j'aurai suffisamment de temps pour mettre de la peinture. Moi, quand les murs sont sales, je mets un peu de peinture comme ça. Ce sont les traces des mains des enfants. Je ne sais pas qui a fait ça. Je vais mettre de la peinture. Je dois sortir la poubelle. J'ai un joli cadeau ici que je dois mettre au mur là-bas. Donc, sans beaucoup blablater, on va faire les choses rapidement parce que je dois récupérer les enfants. Cette partie de la vidéo est en collaboration avec Tailored Canvases, qui est une compagnie qui fait des tableaux personnalisés. La compagnie est basée aux États-Unis d'Amérique. Donc, ils nous fabriquent des canvases personnalisés pour vos différents besoins, que ce soit pour la maison ou pour le business. Donc, ils ont des collections pour votre salon, salle à manger, douche, chambre des parents, chambre des enfants et même chambre des bébés. Donc, un tableau personnalisé, ça ne peut donner que du caractère à votre pièce. J'ai beaucoup aimé la communication avec l'équipe. Ils sont vraiment top. Vous êtes informé pendant tous les processus et dès qu'ils finissent à design votre tableau, votre commande, ils vous l'envoient par mail et ils vous donnent le temps de l'apprécier. Si vous l'aimez, ils vont imprimer. Si vous avez des modifications à faire, ils vont vous servir selon vos préférences. Donc, travaillez avec Tailored Canvases et était vraiment une très bonne expérience et j'espère que si vous commandez chez eux, vous aurez aussi une très bonne expérience. Ils m'ont donné un code de réduction pour mes abonnés. Le code de réduction, c'est JoyceM15. N'oubliez surtout pas de l'utiliser quand vous placez votre commande pour avoir la réduction. Et puis pour suspendre mon tableau, moi j'ai préféré utiliser les commandes là. Sinon, si vous voulez pas, vous pouvez toujours utiliser les attaches qui viennent avec des petits clous, ça fera l'affaire. Donc, il vous donne l'option entre les commandes ou les attaches là qu'on met avec des clous. Donc, tous les liens seront dans la description pour ceux qui seront intéressés. Je dis merci à Tailored Canvases d'avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui.
donc j'ai pas voulu écarter mon horloge là qui était dans la cuisine avant. J'ai mis ça sur la porte de ma buanderie pantry, donc c'est mélangé les deux et je pense que ça fait l'affaire. C'est juste très beau et je vais devoir passer l'aspirateur et j'ai utilisé mon aspirateur V8 de la marque Vactidi. J'aime beaucoup parce que ça peut s'étirer, ça peut devenir court ou long. Du coup, ça me facilite beaucoup, surtout quand il s'agit de l'escalier. Donc, je vous ai parlé de ça dans les vidéos précédentes. Leur promotion continue et ils vendent ça actuellement à seulement 99$. Donc, si vous êtes à la recherche d'un aspirateur sans fil, Vatidi est la marque que je vous recommande parce que le prix est vraiment, vraiment raisonnable. Je peux même dire moins cher et vous tapez votre aspirateur sans fil. Donc, si vous commandez l'aspirateur Vatidi V8 ça, et que vous habitez aux États-Unis, ça va arriver en seulement 2 jours. Donc, je vous le recommande vivement. C'est léger, ça fait l'affaire. Moi, ça me plaît énormément. J'utilise ça pour aspirer mes chaises en cuir parce que ça vient avec différents attaches pour les coins, pour les chaises. Voilà, c'est vraiment useful et je vous le recommande vivement. Avant de passer la serpillière, j'ai préféré faire les fenêtres et la porte. Voilà, comme les enfants avaient passé toute la journée d'avant à la maison, il y avait des taches très visibles. Donc, j'utilise juste mon spray pour glace avec mon petit torchon microfibre. Parfois, quand le sol est très sale,
Je préfère y aller traditionnellement comme ça avec mon torchon. Comme ça, je frotte fortement et je me rassure qu'il n'y a plus des trucs qui collent au sol. Avec des petits enfants, surtout avec Josie. Parfois, quand tu donnes, par exemple, du jus et qu'elle se promène un peu partout, elle en met partout et les sucres, ça colle. Et moi, souvent, j'aime y aller avec l'eau, donc torchonner correctement. Et voilà, quand le sol brille comme ça fait du bien. Vous avez juste l'impression de vivre dans un endroit excessivement propre et ça fait vraiment du bien. Donc j'ai donc terminé, il était temps d'aller récupérer les enfants. Je vais juste jeter l'eau là dans les toilettes, flasher et puis je vous fais un petit tour. Je crois que cette vidéo vraiment vous a servi de motivation si vous êtes en train de faire le ménage ou soit vous êtes en train de la regarder juste pour trouver de la motivation. Merci infiniment d'avoir regardé la vidéo. Je vous laisse avec ce petit tour et je vous retrouve dans ma prochaine avec le même plaisir. N'oubliez pas de vous abonner si le contenu vous intéresse. Nous sommes en route vers 16 000 abonnés et je vous dis merci pour tous vos soutiens. Merci, merci infiniment. Bye et à la prochaine.